Donc, je vais compléter la solution de l'exercice 4 de la feuille 4 sur l'analyse fonctionnelle. Donc, dans la partie 3, on va montrer que le nombre de Ln converge à plus l'infini, c'est-à-dire on va montrer que la norme 1 de Dn converge à plus l'infini. OK? Donc, on veut borner inférieurement l'intégrale. L'intégrale entre l'amplitude de pi de valeur absolue de sinus m plus 1 de t, divisé par sinus t sur 2 dt. Alors, ce qui va nous embêter, bien évidemment, dans ce calcul, c'est le sinus t sur 2 en bas. C'est ça la partie qu'on ne sait pas calculer. Donc, on va proposer d'utiliser une minoration un peu brutale pour ça. Je pourrais bien évidemment, sur l'intervalle moins pi pi, minorer ça brutalement par, son minimum sur tout l'intervalle qui est égal à 1. Mais ça, ça ne va pas fonctionner. Donc, on va diviser l'intervalle sur des sous-intervalles. Hein, des sous-intervalles qui seront choisis pour marcher bien avec sinus m plus 1 demi de t. Et sur ces intervalles, je vais borner sinus t de t, t sur 2, hein, sur sinus t 2. Et ce qui va faire marcher la chose, c'est que pour des petits intervalles qui sont proches de 0, sur ces petits intervalles-là, la valeur de sinus t sur 2 sera grosso modo 2 sur t. Okay. Donc on considère l'intervalle m sur 2m plus 1 et la m plus 1 sur 2m plus 1. Ok, et je vais regarder, donc ça c'est mon intégrale i, je veux borner inférieurement, et je vais regarder, je vais considérer im qui va être l'intégrale, excusez-moi, j'ai oublié une pi ici. Ça fait juste la partie de i sur la petite intervalle sur cette partie-là. Z plus 1 après sinus m plus 1 demi t divisé par sinus t sur 2. Et donc, ce qui va être important pour moi ici, ça va être de borner inférieurement sinus t sur 2, c'est-à-dire de borner supérieurement valeur de sinus t. Et je vais utiliser le résultat général, que sinus t sur 2 valeur absolue est plus petit ou égal à valeur de t sur 2. Et donc, en particulier, 1 sur valeur absolue de sinus t sur 2, lui est plus ou égal à 2 sur valeur absolue de t. Et si j'ai t continue dans cet intervalle, plus 1 sur 2n plus 1, et là je vais faire l'hypothèse que j'ai m qui est plus grand ou égal à 0 pour simplifier, alors 1 sur valeur absolue de sinus t sur 2 est plus grand ou égal à 2m plus 1 fois 2 sur m plus 1 fois pi. Donc maintenant, on va prendre cette intégrale-là, et on va utiliser cette borne-là pour 1 sur sinus t sur 2. Donc, im est plus grand ou égal à 2m plus 1 fois 2 divisé par, encore une fois, sous l'hypothèse que m est positif, m plus 1 pi multiplié par l'intégrale entre m pi
sur 2m plus 1 et m plus 1 pi sur 2m plus 1, valeur absolue, et sinus m plus 1 de t dt. Maintenant, je propose d'utiliser sur ce truc-là le changement de variable. S est égal à 1 plus 1 demi de t. Donc, ce truc-là, c'est 2m plus 1 fois 2 sur m plus 1 pi fois l'intégrale entre. Donc, du coup, oui, sinus. Je vais mettre plutôt 2m plus 1t. Là, je vais aller de m pi à m plus 1 pi. Ici, sinus mt, c'est donc valeur absolue de sinus s sur 2. Et dt, c'est donc ds divisé par 2m plus 1. Ce qui est important, c'est qu'ici, les termes en 2m vont disparaître. Donc ça, ça me donne 2 sur m plus 1 pi intégrale entre m pi et m plus 1 pi valeur absolue. Sinus s sur 2 ds, ce qui est égal après calcul à le m plus 1 pi multiplié par 2. Okay. Donc en particulier, i est plus grand à la somme de m allant de 0 à, ça va être 2n tout court de la valeur de im, ce qui est égal à 4 sur pi fois la somme de m allant de 0 à 2n de 1 sur 1 plus 1 plus 8 et la somme extérieure unique et qui diverge. Okay. Et ça, ça me dit que dm de 1 converge quand on va vers plus l'infini. Plus l'infini. Donc ici, ce que ça me dit à la fin, c'est que j'ai une suite de fonctions continues. Ln est une application linéaire. Paris d'application linéaire continue qui va entre donc C0 moins I pi R muni de la norme N infini qui lui est un espace de Banach et R qui est également un espace de Banach, okay. Et la famille des normes n'est pas bornée. Et donc, par le contreposé de théorème de Banach-Steinhaus, ça, ça me dit qu'il existe une F dans l'espace C0 moins pi, pi R telle que les valeurs de ln de f, lui, n'est pas borné. Autrement dit, il existe une fonction telle que la série de fonctions de cette la série de Fourier de cette fonction diverge en 0.